disposition que le ministère de la Santé publique a pris concernant l'aide qui est contaminée avec le microbe et le salmonelle, l'aide céliale. Je dis, tout officier sanitaire qui est dans le département de l'Ouest a une punition pour aller dans la maquette, dans le dépôt, dans la boutique, dans le marché, pour regarder est-ce que totalement l'aide qui est écrit Célia sous lit pas sous marché a, pour deux raisons. Première raison, c'est parce que Haïti te fait partie de pays qui te recevoir un stock dans l'aide qui est microbiole et salmonelle là-dedans. Deuxième raison, c'est parce que nous connaissons un pile dans le frein actionnaire qui n'a mauvais la vie. Les gros maquettes, les gros produits, les pas à couler, des fois, vous l'avez dans le secteur informel là, et vous mettez dans la liquidation et laissez tout le monde à poté bourré. Et nous-mêmes, comme responsable d'État, comme directeur départemental, santé pour le ministère de la maquette, aller dans le marché, aller dans la boutique, aller dans le dépôt pour garder est-ce que l'aide contaminée, c'est là, pas sous marché encore, jusqu'à ce que le ministère de la Santé publique avec le ministère du Commerce baille un autre mot d'ordre en ce qui a trait à l'aide. Deuxième communication, c'est pour urgence carnaval. Dimanche dernier, activité pré-carnaval a commencé dans le pays, dans deux communes, commune de Pétionville et commune de Port-au-Prince. Le ministère de la Santé publique, qui a une responsabilité pour assurer la santé de tous les citoyens, et fait de l'urgence carnaval une question spéciale parce que tout côté de foule, ministre, Dr. Clément Marie Tawa insisté pour nous présents et pour assistance. Dans ce sens, nous avons rappelé la population que le ministère de la Santé publique, nous avons tête collée avec le partenaire, nous voulons parler de OFATMA, nous voulons parler de Croix Rouge, nous voulons parler de IWO, fait une équipe qui est bien coordonné pour porter réponse à question urgence éventuelle qui a gagné dans le carnaval. Pour dimanche qui est passé, nous avons recensé 10 cas dans la commune de Pétionville et 10 dans la commune de Port-au-Prince. Donc, c'est des cas qui l'hôpital Elias Argemin qui porte au prince. Nous avons rappelé pour la population qui a tendu et qui a gardé, le ministère de la Santé publique mettait des ambulances dans des axes stratégiques en fonction de la cartographie qui était faite sous parcours carnaval de Pétionville à commune de Port-au-Prince, ensemble avec notre partenaire qui m'a dit déjà, Croix-Rouge avec OFATMA. Gagné une ambulance qui n'a coin Rextea. Ça, on a baillé, c'est pour si au monde, pendant la période ça dimanche, bon problème dans la foule, pas une ambulance ou bien secourisme ou bien brigadier protection civile yo qui ouais donc c'est l'autre monde qui bon côté le cap côté li donc pour yo ka connaît qui direction pour yo prendre donc gen ambulance qui dans coin Air France gen une qui devant mi pala gen une qui dans coin Rextéat gen au PMA PMA c'est poste médical avancé c'est-à-dire que ambulance yo gen intrant médicament là-dedans yo gen infirmière là-dedans donc en blessure légère qui pas trop grave que yo ka coud ou bien yo ka penser dépendamment de profondeur pléa y a pas gérer l'ambulance s'il dépasse yo gen pour devoir aller à Kassa dans PMA PMA c'est poste médical avancé pour dimanche dernier de gen 3 pour centre-ville là te gen youn qui dans kios oxygenti gen youn qui dans stand mairie de Port-au-Prince gen youn qui était dans local de DO et pour dimanche ça n'a ajouté un lot cap nan mi pana parce que dimanche dernier nous t'ai constaté quantité de monde qui a le prend plaisir t'ai dépassé à tête nous donc pour raison ça nous obligé prendre plus disposition en ce qui a trait à la commune de Pétionville gain un PMA qui dans entre BNC PMA m'expliquer ça lié déjà gain un ambulance sans décaler le point fixe qui dans coin Montchise gain une qui devant l'hôpital Elias Argemin qui a fait pont en parcourant, c'est-à-dire que si on est aujourd'hui, on est en danger pour le cas qui est arrivé. Et si l'hôpital là recevoir un cas qui dépasse, puisque le système santé haïtien
son système qui chita sous référence, c'est-à-dire que des cas qui allaient l'hôpital Elias Agem et Pétionville, plateau technique qui ne doit pas permettre de répondre. Donc c'est soit vous menez l'hôpital général, ou bien il y a l'hôpital La Paix, ou bien il y a l'OFATMA, ou bien Benamez, dépendamment de gravité. Donc nous faisons comme ça pour nous permettre que nous prenions plaisir sans qu'elle saute. Et éventuellement, s'il y a des cas d'accident, pour nous capables de répondre. Et ministre Santé, Dr. Clément Gretawa, insiste question urgence là pour venir en priorité en Haïti depuis qu'il y a activité de foule pour le ministère de la Santé publique ensemble avec les partenaires LIO présents. Donc, c'est... Programme des Nations Unies pour l'environnement qui organise le. D'organiser le, c'est parce que Haïti fait partie de pays en voie de développement qui n'ont pas de structure pour gérer vraiment des déchets. Surtout des déchets dangereux. On parle de déchets dangereux. Oui, déchets dangereux. Déchets qui ont toute l'autre qualité de batterie, parce que ce n'est pas batterie plomb seulement qui comme plomb, qui ont un élément qui est connu, qui gagne qui sont poisons pour la santé humaine, mais gagne l'autre batterie, qui gagne mercure là-dedans, qui gagne arsenic, qui gagne cadmium. Donc tout ça qui n'est pas géré en Haïti et qui constitue un danger pour la population locale là et pour la population mondiale là tout. Donc, activité matin, il est entré dans le cadre de mobilisation ou bien un échange d'informations, c'est qui ça lie exactement? Lie tous deux. Lie échange d'informations pour nous connaître. Lie tout mobilisation avec un suivi, c'est-à-dire que une série d'activités après qui pour faire. Activité ça, ce n'est pas forcément l'État haïtien qui peut supporter, mais les instances internationales que vous mettez pour ça la même qui pour aider pays qui pas de gros moyens. Parce que comme nous dit tout à l'heure, mais dans toute communion, on va lire ce journal ou bien même dans la télévision, le 2 janvier, j'étais naïf, je dis que l'année 2018 c'est l'année de gestion des déchets. C'est pour Port-au-Prince. Et puis, comme je disais tout à l'heure, déchets, ce n'est pas des déchets ménagers seulement qui sont pour bananes, pour fibres. Hein? Il y a une batterie là-dedans, il y a une huile là-dedans, il y a toutes sortes de produits chimiques dangereux là-dedans, capables de polluer de l'eau en bataille, hein? Et puis capables de polluer, manger, nous tout, et le passer dans la terre, les produits agricoles. Selon les règlements intérieurs de la Chambre des députés. Et donc, après élection bureau 1, immédiatement, ces formations et ces inscriptions, les blocs au sein du Parlement. Donc, Jean-Noël, il y a 4 blocs qui sont inscrits, APH, le bloc et GPS, et il y a GPEP, ensuite, il y a le OPL, Vérité et Alliés. Donc, selon la configuration Chamnan, nous avons 4 blocs qui sont inscrits. Donc, APH, normalement, majorité à la Chambre des députés. Donc, suite avec ça, que nous avons fin inscrit, donc, tu as supposé commission montée. Selon le règlement intérieur encore, le règlement a demandé que si nous ne venions pas en entente pour nous former commission, pour nous faire répartition, pour nous dire, parce que il y a 20 commissions à la Chambre des députés. Donc, nous-mêmes, l'année dernière, APH, tu as 12 commissions parce que nous avons 65 députés. Donc, je dis à nous partitions que l'IPACOR. Donc, c'est là, négociation
nous pouvons joindre une entente là-dedans, c'est à point ça que nous y est. Donc, moi, je pense que d'ici week-end, nous avons une solution qui va permettre que et pour nous cap former commission permanente. Et encore, moi, je veux dire, pour commission permanente, il y a encore des petits problèmes encore là-dedans, parce que au sein bloc, et selon le règlement intérieur là, encore, c'est l'élection qui peut gagner au sein avec Mambio. Donc, Jean nous procède depuis pas en tête, c'est Jean Limandé, c'est l'élection que n'a pas le fait pour eux. Avec les objectifs que nous nous sommes fixés depuis notre accession à la direction de l'ONG. En effet, pour transformer le rôle de l'ONG et appeler à remplir, revient à rendre accessible tous ses services à travers l'extension de son réseau sur tout le territoire. La succursale de l'Allemagne obéit à cette loi. Situé sur la route de Delma, il est doté d'une structure d'accueil standardisée avec les dernières technologies telles l'IPS POS, un logiciel visant à améliorer le service courrier accéléré, communément appelé ENS. Support technologique qui permettra de desservir au mieux la population de Delma, qui n'est pas des moindres, dans un local flambant neuf. Avec 620 casiers postaux, un personnel entraîné mettra son savoir-faire, sa compétence au service de la clientèle et exposera, si besoin est, tous les produits disponibles. De cette optique, il est opportun de signaler que suite à un accord signé avec la direction générale de l'OAVCT, le bureau postal de l'EMA assurera le renouvellement des assurances véhicules. Évidemment, pour décongestionner les bureaux déjà existants. Ce produit vient de voir le jour et est une exclusivité de l'OPH. Toutes en gestation attendent impatiemment de prendre à l'horizon. Petit trou de libre pour ceux en plein aménagement à Pétionville, le Cap-Haïtien, pour ne citer que cela, ne constitue que l'enchaînement d'un projet de restructuration et de redynamisation de l'ensemble des ressources de l'institution. Je me voudrais de ne pas terminer cela de rester merveilleux et de l'industrie pour le soutien et l'apport propre qu'il accorde pour la matérialisation de ces projets. L'administration Moïse Lafontaine, pour ma voix, tient à féliciter, stimuler et consolider cette initiative qui vise à redynamiser l'effort de construction d'une Haïti résolument engagée sur la voie du progrès. L'aménagement de ce bureau de Delma ne fait pratiquement qu'enchaîner avec d'autres effectués dans les mois antérieurs, notamment à Carrefour, au Gonaïve, Petit Trou de Nip, ou ceux en perspective à Pétionville, Cap-Haïtien, Jacmel, pour ne citer que cela, dans le cadre d'un projet plus large de restructuration et de rénovation de l'OPH. Dans l'étape actuelle de croissance dans laquelle nous nous engageons, l'Office des postes d'Haïti aura son rôle à jouer dans la dynamisation de la vie commerciale et économique, de la vie commerciale et économique et le cours des affaires du pays. L'OPH, service déconcentré du ministère du Commerce et de l'Industrie, est bel et bien appelé à remplir les attributions d'une entreprise moderne et compétitive tant sur le plan national qu'international. Cela implique un engagement de nous, de tous les acteurs du système, du plus haut échelon de la sphère décisionnelle au plus bas de la sphère d'exécution, en vue de nous réadapter et de bien tenir nos rôles sans nous tromper de personnages, ni de gestes, ni d'opportunités. Je renouvelle ce matin
Mon engagement a toujours accompagné le directeur général et toute son équipe dans l'accomplissement de cette difficile tâche. La tâche est escorbée, difficile, abyssale, mais je suis sûr, grâce au savoir-faire du directeur général et de toute l'équipe, on parviendra à atteindre les objectifs fixés sans coup férir. Professeurs et enseignants ici présents en ce moment, je vous remercie de votre patience, car vous avez fait preuve de gens capables d'attendre, d'user de patience afin de voir des jours meilleurs. J'avais ressenti et senti vos frustrations. Parfois, vous les avez exprimées. Mais aujourd'hui, vous avez récolté le fruit de votre patience. Une fois, la directrice de la section primaire et certaines enseignantes me rentraient de la salle et la question m'a été posée. Bishop, qui est bâtiment panneau à commencer? Et je disais, bientôt, bientôt, vous avez la réponse aujourd'hui. Et vous êtes là pour voir de vos yeux ce beau bâtiment. Et des élèves de la classe terminale, il y a peut-être 2 mois au moins, étaient là pour dire, mais à bas le bâtiment qui est là. Je me suis dit, je ne vais pas répondre. Nous constatons que vous avez besoin de beaux bâtiments, mais vous avez tous 3 beaux bâtiments. Parents, nous apprécions pour continuer à faire route avec le nouveau collègue, en dépit des conditions difficiles. Nous remercions aujourd'hui dans l'enceinte de ce nouveau bâtiment qui témoigne de la volonté de la mission méthodiste d'Haïti de continuer à œuvrer dans la mission du système sécuritaire du pays et la preuve de la résilience de notre peuple de se relever après les aléas de la nature. Mesdames, Messieurs, pour le savoir, après les catastrophes du 12 janvier 2010, c'est grâce au dynamisme et l'esprit de service du leadership de l'Église méthodiste que nous avons entrepris en 2013-2014 la reconstruction du premier pavillon Paul Découvert du NCB, abritant actuellement l'aile du secondaire. Qu'il soit remercié. Le Dieu de l'univers. Nous profitons de l'occasion pour remercier et féliciter le dévouement du révérend pasteur Jean Paul, bishop de la conférence méthodiste, qui a mené à bien les négociations qui nous ont conduites à aujourd'hui. C'est aussi le moment de reconnaître le courage et les efforts de tous nos collaborateurs et collaboratrices, de nos collègues et professeurs qui ont enduré des moments difficiles de travail dans des conditions peu recommandables.
Je vous remercie en mon nom propre et au nom de tout le staff du directeur du KSCP. Nous avons connu des moments réellement difficiles, que ce soit par bon temps ou mauvais temps. Comme le dit bien le proverbe, bon temps c'est nous, mauvais temps c'est nous. Et ainsi encore. Souvenez-vous, chers collègues, nous devons chaque jour nous serrer les reins un peu plus davantage. Avec ces apôtres du siècle, certains d'entre eux étaient nés après le 14 du 12 janvier 2010. Il y a un fossé étanche entre le calme et ces petits qu'il faut bien nous porter à travail. Les enfants de nos jours sont très, très difficiles. Bien chers collègues, nous voyons ce qui doit nous préoccuper maintenant. Et nous devons porter les enfants à bien travailler à l'école. Donc, nous devons nous préoccuper exclusivement de rendre plus rationnel, plus intéressant le travail scolaire. Voilà pourquoi nous allons ici prioriser à l'école des méthodes actives où les élèves ne seront pas seulement acteurs de leur apprentissage, mais ils en seront les auteurs aussi. Plus tard que quelque part a dit, le cerveau de l'enfant n'est pas une base qu'il faut remplir, mais un foyer qu'il faut échauffer. L'entreprise Société Construction, par mon organe, veut remercier les responsables de l'église méthodiste d'Haïti qui lui ont confié la réalisation de ce projet. Et j'espère que l'entreprise a fait de son mieux pour doter le Collège Bird de bâtiments attrayants et assez solides. Également, je crois que nous devons apprécier la collaboration de la directrice de cet établissement scolaire, Mme Danger, pour sa bonne et franche collaboration lors de la réalisation de ces travaux. Le personnel de la cour avait donné leur soutien aussi quant à la sécurité des matériels et matériaux entreposés sur la cour. Ils étaient toujours présents pour aider, supporter à chaque fois que le besoin se fait sentir. Un grand merci à eux qui a cohabité avec nous ici sur le site pendant toute l'exécution du projet dans le cadre de leur mission a été à la hauteur de leur tâche. Ils étaient toujours présents pendant toute la durée du projet et ils étaient très stricts et méthodiques quand on essaie de prescrire dans les clauses techniques. Il y a eu une bonne collaboration entre nous. Nous vous disons aussi merci. Je dois aussi remercier la franche et bonne collaboration de l'ingénieur conseil de l'église méthodiste d'Haïti en la présence de l'ingénieur de Richard qui avait bien joué son rôle de superviseur. Sa présence sur le chantier était remarquable. Il était toujours présent dans les réunions hebdomadaires pour la planification et l'avancement des travaux. Ses conseils étaient toujours bénéfiques pour nous. Nous lui disons merci aussi. Mes chers amis ici présents, cette tunnel que vous voyez là était prévue pour être construite dans un élan contractuel de 12 mois. Il a été construit dans le temps prévu grâce à l'expérience de la société construction. 4 blocs sanitaires, 3 toilettes indépendantes, une salle multifonctionnelle, un laboratoire, une bibliothèque, des salles pour les professeurs, une rampe d'accès aux personnes à mobilité réduite, un parking à l'entrée ouest du bâtiment
pour ne citer que cela. Cette construction est encastrée à une profondeur de 3 mètres au niveau de la sol. C'est à ce niveau que l'étude géotechnique avait localisé le bon sol. La fondation a été bien traitée avant la mise en place des éléments structurels du bâtiment. Très fier de ce que moi une participant que Konatel t'a invité parce que Konatel dans quatre salons il voulait faire promotion entreprise locale et Bange qui c'est une compagnie que me fondé à peine 6 mois et que m'a essayé faire promotion il fait mon connaît qui ça nous qui ça n'a fait que te ba nous opportunité ça que nous t'a capable set up un kiosque côté que nous t'es capable d'inviter tout le monde, tout acteur dans le secteur technologie en Haïti, jeunes, start-up et opérateurs, tu es là matin, tu as accompagné ceux qui ont télécommunications, capables de contribuer à développer le secteur. Le fait que tu aies une opportunité ça, pour être capable de mobiliser le réseau et le monde qui est impliqué dans la technologie dans le pays, et le fait que nous là et que nous avons une possibilité pour faire le monde, pour moi c'est une grosse satisfaction et je suis vraiment fier que qu'on appelle focus sur l'entreprise locale. Activité jeudi, hein, l'organiser à la demande du gouvernement pour lui présenter un salon qui pourra le permettre. Et on a tel lui-même, lui dit bon, il y a un pile salon qui fait dans le pays d'Haïti et nous, Patadoué, font salon qui même gens avec tout salon qui fait chaque jour. C'est peut-être ça, nous décidons que salon, nous pouvons faire lui en 3 parties. Dans la première partie, côté nous dit, nous pouvons chercher, inviter la population ça, qui n'a jamais assisté, participer dans le salon. Nous pouvons chercher, inviter, venir regarder ce qui a passé, venir demander explication. Et surtout, venir chercher comprendre qui opportunité que technologie est capable de faire. C'est à cause du système éducatif. Même deuxième temps nous dit, même fin organisé, mais compte ça avec population. Et nous choisissons place Capoua, dans chaîne Massin, c'est pour nous capables d'aller vers peuple. Nous disons en deuxième temps, nous qui sommes intéressés, nous pouvons dire, nous avons identifié qui ça y connaît le temps qu'a fait, nous pouvons chercher by formation. Et dans le troisième temps, nous disons, nous pouvons chercher à faire bilan de travail là, de telle sorte que nous savons comment. Au bout du compte, nous sommes capables de gagner des applications, des bagailles que nous sommes capables de mettre sur le marché hein, pour dire mon produit haïtien qui est sur le marché, hein, côté Haïti, commencer à prendre place dans le marché international, hein, sous la question numérique. Là, nous avons parlé d'applications, d'équipes, produits, services qui sont capables de faire. Même jean l'autre nous fait Facebook, nous fait Google, nous fait un pile de bagaille en Haïti qui s'en produit, qui s'en fait. Donc, jeune, il y a un pile de bagaille là, il va venir chercher l'idée pour plus tard, il y aura qui encadrement qui a beau fruit, qui gens qui ont boosté pour être capable de commencer à produire. La transition digitale, l'accélération digitale. On a beaucoup de dire sur ce projet et parce que la semaine prochaine.